Eh mais dis donc, qui êtes-vous là? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ça va pas la tête, la porte qui claque fort. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Les amis, avant que la vidéo commence, déjà un énorme merci pour la vidéo où on a testé les objets Amazon d'été. C'était incroyable, on a été top 3 tendances les gars. Donc je vous remercierai jamais assez. Et j'espère que cette vidéo là va vous plaire. Et j'en suis sûr les amis, parce que ça va être incroyable. Ce qui va se passer va être incroyable. Parce que je vais vous parler d'un game les amis. Un game sous Kotax. Les amis, essayez de deviner. Essayez de deviner. Ah t'as pas trouvé, t'as pas trouvé. Impossible les gars. Ça c'est un truc que je faisais quand j'étais petit. C'est-à-dire que moi j'avais pas trop de voitures télécommandées, j'avais pas de machin. Moi, on me donnait des trucs, je devais les construire. Et oui, les amis, je parle bien du game des maquettes. Mais pas des maquettes que t'achètes toutes faites, les maquettes que toi-même tu construis avec la peinture, la colle, tout. Une dinguerie. Donc je sais pas où va me mener cette vidéo, les gars. Les vidéos, c'est du freestyle, c'est du random. Et je vous ai préparé des petits trucs, donc je vous sois. Arrête de te foutre. Je peux me tromper dans mes mots? Oh, ouais, 2021, ok? Sois ludique. Les amis, je vous ai choisi le top du top en termes de maquettes. Premièrement, le Black Pearl de Pirates des Caraïbes. On a tous qui fait ça. Pirates des Caraïbes, c'est notre enfance. C'est le kiff. C'est là que je me dis que, quand même, sur ma chaîne, part. Peut-être en couille. C'est-à-dire que des fois je ramène des boss sur Fortnite et d'autres fois bah je fais des bateaux. Les amis, c'est le niveau 2 de la maquette, ok? Il y a 5 niveaux en maquette, ça c'est le niveau 2. Donc on va commencer avec ça les amis. Et d'ailleurs, s'il y a des parents, voilà, qui savent pas quoi offrir à leur gosse pour les anniversaires ou que vous-même vous êtes un enfant et que vous voulez prendre ça, je vous le conseille les gars. Parce que c'est incroyable, ça m'a bercé mon enfance les maquettes. Donc je vous le conseille, voilà, au lieu de toutes les merdes électroniques, tout ça que vous pouvez offrir à vos gosses, vous pouvez leur offrir ça. Des trucs à construire soi-même, et c'est incroyable. C'est un truc électronique, ils mettent comment le code GU? Achetez Fortnite à vos gosses, en plus c'est gratuit là, oh oh. Eh, donnez-leur un peu de V-Bucks là, dis donc. Wouhou. Les gars, ça fait près de 10 ans que j'ai pas fait ça. Oh, je suis comme un gosse. Ok, ok, c'est parti, on va commencer directement. Oh, j'ai hâte les gars. Ok, ça se voit que c'est du niveau 2 quand même, y a pas énormément de trucs. C'est du niveau 2, ça va. Je suis un malade, je suis un fan en fait. Je suis un fan de maquette, c'est grave. Ok, donc la coque, elle est là les amis, on la prend directement. En toute aisance. Alors 9B, 9B. Ah, ça clipse. Vous m'en voulez si je vous dis que j'ai cassé la première pièce ou... C'est qu'un détail. J'ai confiance en ce projet, les gars. J'ai confiance. Je suis un illuminé, je suis un fou. Je suis un illuminé. Ah, je me blesse. Ok, là, ça commence à s'assembler, ça commence à avoir de la gueule. Ah, vous vous souvenez, cette petite pièce qu'on a cassée. Peut-être que j'y vais trop comme un bourrin. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais des doigts d'enfant de 10 ans. Finalement, j'étais pas un bûcheron. Oh, bah voilà, c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Ok, c'est le début, c'est le début. Qui m'a obligé à faire ça? Personne! Personne m'a obligé à faire ça! J'ai un problème. Oui, c'est beau, regardez ça. Regardez ça, on commence à faire des dorures, là, c'est magnifique! Vous savez quoi, je vais me dépêcher, en fait. Si elle est pas finie, c'est pas grave, on va essayer de la faire au max. Les gars, en fait, là, on doit mettre un canon. Un canon par trou. Vous vous rendez compte de ce que c'est, un canon par trou? Vous savez ce que c'est qu'un disque d'or? C'est pour la beauté. La beauté de la création. La maquette. On va le faire. Tant que je mette les canons et que je le mette après. Vous êtes pas logique dans vos maquettes, là. Vous étonnez qu'il y ait des gens comme moi qui galèrent. Merde! Où est ma pièce? J'ai perdu ma pièce. Bon, alors, j'en avais pas besoin de cette pièce, de toute façon. C'est la maquette la plus mal branlée que j'ai jamais vue de ma vie, voilà. J'ai envie de tuer des gens, en fait, j'ai envie de tuer des gens. Voilà, ok, on a la base. Allez, ça tient. Hein? On dit que ça tient? Oh, je vais tuer des gens! Tu l'as vu ou pas? Il y a un canon qui a sauté dans ma bouche, frère! Il m'a dit de fermer ma gueule! Il y a un canon, il m'a dit de fermer ma gueule, gros! Je suis choqué, ce bateau ne veut clairement pas de moi, mais il perd des pièces! Ce bateau ne veut pas de moi! C'est qui le patron? C'est moi! Oh, pouf! Ok, patron, c'est moi! Tout est parti en couille à partir du moment où j'ai cassé la base. C'est mal branlé. Voilà, je suis désolé, c'est mal branlé. Au bout d'un moment, t'es obligé de tout casser si tu veux l'enlever, le truc. Aïe. Putain, mais voilà, ça se casse. Mais c'est n'importe quoi! Je m'énerve pas, non, je m'énerve pas! Bah pourquoi ça sert à rien de s'énerver, je m'énerve pas! Elle est en mauvais état. Oh non, merde! King Kong, aide-moi! Mais non! Les cordages. Souvent appelé gros fils de p***. Vous savez où devait aller cette voile? Sur la partie du mât qui est ici. Oh, elle a disparu. Voilà. Putain, je suis l'heureux propriétaire de ce bateau. Il peut même pas nager en fait. Et les amis, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot parce que là, j'ai une maquette à faire. Et ça les amis, je vais la faire. Avec mon cœur, avec conviction. Cette maquette les amis, regardez ça! La fusée Apollo 11 Saturn 5 Roquette. Elle est de niveau 5 les amis, c'est-à-dire le niveau le plus élevé en termes de maquette. Vous pensez que ça va me prendre des heures? Ça m'a pris des heures les amis, parce que oui, oui, non, je vous épargne. Tous les cuts, toutes les phases où on essaie de construire, elle est là! La Apollo 11 les amis, je l'ai construit, ça fait 5 heures que je suis dessus, d'accord? J'ai pas peaufiné tous les petits détails, j'ai dû mettre du scotch à certains endroits, mais croyez-moi, elle est bien là. Oh, grosse pièce.
Oh, les grosses pièces pour la grosse fusée là-bas, les grosses fusées. C'est mon bébé, les gars, vous savez pas tout. Regardez, il y a tout qui est en bordel encore. Tout qui est en bordel, les gars, j'y suis depuis que je me suis levé, 10h ce matin. Regardez ça, les gars. Tant de finesse, tant de construction. C'est vrai que là, comme ça, vu comme ça, ça a l'air très très simple, les gars. Il y a même la petite fusée au bout. Regardez ça, les gars. Avec les petits réacteurs, je les ai construits de mes mains. De mes mains, les réacteurs, de mes mains. Alors, une fusée. C'est bien, c'est sympa, mais ça peut pas rester immobile tout le temps, les gars. Qu'est-ce qu'on fait avec une fusée? On fait quoi? On la fait voler. On la fait voler, on l'envoie dans l'espace. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis. On va envoyer cette fusée dans l'espace. Là, les gars, la technique ultime pour envoyer quelque chose dans l'espace, l'hélium. Les amis, on va essayer d'accrocher Apollo 11 à v'là les ballons d'hélium, les gars. Il faut qu'on remplisse une centaine de ballons. Attendez, parce que les gars, il y a quand même au moins une chose que je suis obligé d'essayer. Mettez le code Gugu, mettez le code Gugu. Salut, moi ça va, les petits loups, comment ça va? Des vidéos maquettes, waouh. À plaisir, waouh, putain, je sens que ça va dans hot. Ne faites pas ça chez vous, les amis, c'est très important. Ok, allez. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un peu peur. J'espère vraiment que ça va marcher, les gars. Je veux que ça marche, en fait. J'ai les expériences les plus débiles. J'ai réussi à faire un nœud, let's go. Oui. J'ai jamais réussi de ma vie. Mais en fait, c'est facile à faire des nœuds. Oh, j'ai fait la bulle. Oh, vous connaissez cette bulle, les gars? La bulle, c'est les darons, ils arrivaient tout le temps à faire ça. J'ai jamais réussi. Attends, arrête de te moquer. Eh ouais, ouais, la vidéo prend forme. Si on pouvait faire décoller cette fusée, ce serait merveilleux. Regardez le plafond. Eh, hey, ça marche bien. Oh, le bordel. Bon, les gars, ça, je sais pas ce que ça va donner, les gars, vraiment. Parce que là, en fait, la fusée est prête bientôt. Là, il y a Camille qui est en train d'attacher les ballons entre eux pour qu'on les attache à la fusée. J'espère que ça va marcher. Et si ça marche pas, les gars, ça aura au moins eu le mérite d'être beau. Bref, en tout cas, les amis, ça m'a demandé beaucoup de travail, donc j'espère vraiment que ça va marcher. Là, la fusée est sortie dehors. J'ai accroché de la ficelle quand même pour pas qu'on la perde dans l'air au cas où elle s'envole vraiment. On va accrocher les ballons, les gars. Aucun flow. Les premiers ballons sont accrochés. Ok, viens voir ici. En vrai, ça va être stylé, hein. Si on réussit, les gars, ça peut être vraiment trop cool. Hop là. Oh non. Putain, en plus, c'est la partie cartonnée, là. C'est le truc qui met 1000 ans. Ok, c'est bon, je l'ai fixé. Ça va le faire. C'est trop beau. Lucas! C'est le vent dès qu'il y a un mini coup de vent. Le bout de la fusée va être mort, les amis. Elle aura servi au combat, les amis, c'est pas grave. Ok, c'est les derniers ballons, les gars. On a mis les ballons. Là, il y a Camille qui tient. Est-ce que tu veux essayer de le lâcher? Ok, vas-y, alors attends, on se relaie. Je tiens, je maintiens. Oh les gars, c'est le bordel. Voilà. Allez, vas-y, oh merde. Ah. Oh non. Mais ça dépend. En vrai, elle vole un peu. De ouf, hein, quand elle a son envol. C'est finalement elle qui va partir dans les cieux, les amis. Il pense qu'on fait un mariage avec les ballons. Je vous présente la première maquette à aller dans l'espace. Elle va haut, là, quand même. Ok, les gars, ça va le faire. Regardez, on va l'envoyer dans l'espace. Bon là, elle stagne un peu. Mais vous inquiétez pas, elle va aller dans l'espace. Oh, regardez. Non. Oh la vache. Oh, elle allait vraiment partir dans l'espace là. Il y a un bout qui est coupé, les gars. Il y a un bout de la corde qui est coupé. Oh les gars, j'ai couru ma race. J'ai envie de la laisser aller dans l'espace en fait. Ok, ramène-moi un marqueur. On va faire autre chose, je la ramène à la base. Ok les gars, à côté de USA. Ok les gars, à côté de USA les gars, j'ai mis Gugu et je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer les gars, Gugu dans l'espace. Les amis, c'est telle une bouteille à la mer que je vous envoie ceci. Envoie-la moi sur Insta, celui qui la récupère. Allez, bon vent. Bon vent. Tu es libre désormais. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Il n'y a plus de cordes. Et s'accroche, mais non. Mais c'est quoi cette proba? Elle s'est accrochée dans le rosier. Mais non, elle veut pas me quitter. Le moment est venu de couper le cordon. Bon, il s'en va. Allez, vas-y, attends. Elle est partie, les gars. La navette spatiale Gugu Apollo 11 est partie. Elle s'en est allée, les amis. Si vous la voyez passer en France, on va passer lui le bonjour de ma part. Au revoir, adieu, à jamais, petite navette spatiale. Bon, les gars, elle est partie, là, hein. Là, c'est fini. Au revoir, petite navette spatiale Gugu. Bah ouais, elle monte. Elle va vers le nuage de pluie. Arrêtez là, elle va vers le nuage de pluie. La vache. Partie si loin. Les gars, on voit la navette. La navette spatiale. Ah, les gars, c'était magnifique. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu qu'une petite partie de moi qui s'en est allée dans les cieux. Marqué Gugu, Gugu, vous savez, c'est une des meilleures créations de ma vie, Gugu. Et c'est pour ça que je vous demanderai de le mettre dans la boutique de Fortnite pour soutenir ce genre de vidéo incroyable, intempestive, intemporelle. Et je vous demanderai aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et mettez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, on se retrouve sur mes réseaux, hein, Instagram, Twitter et TikTok. A très bientôt pour de nouvelles vidéos aussi folles que celle-ci. Salut !